Bonjour à tous, bienvenue à cette présentation sur le thème français résidant à l'île Maurice, comment préparer votre succession. Tout d'abord, en préambule, nous sommes assez nombreux, vous êtes assez nombreux à nous regarder et je vous en remercie. Donc c'est la raison pour laquelle on ne sera pas en mesure de répondre en direct à des questions personnelles, évidemment, mais à la fin de cette présentation, vous aurez les contacts des deux spécialistes qui vont intervenir. Et vous pourrez évidemment leur poser les questions que vous souhaitez, si nécessaire. Sur ce thème, comment préparer votre succession, il y a évidemment, on a tous entendu un certain nombre de choses, on s'est tous posé un certain nombre de questions. Si je décède, qui va hériter? Dans quelle proportion? Comment protéger mon conjoint? Comment protéger un enfant? Comment privilégier une tierce personne éventuellement? Et puis, pour les Français, évidemment, combien ça va coûter en droit de succession, c'est-à-dire quels vont être le montant des impôts qui vont être dus par l'ensemble des bénéficiaires de cette succession. Donc, on voit bien déjà au travers de ces quelques questions qu'on fait appel à des règles de droit civil, qui héritent comment, et des règles de droit fiscal, combien ça coûte. Alors, évidemment, pour quelqu'un qui a grandi en France, qui vit en France, dont les enfants sont en France, qui est marié en France, qui travaille en France et qui a des biens en France, bah, c'est le droit français qui va s'appliquer à la fois civil et fiscal. Mais pour ce qui concerne les Français résidant à l'île Maurice, et en particulier, mais les non-résidents en général, eh bien, ça devient plus complexe parce qu'on est bien souvent propriétaire d'immobilier à l'île Maurice, on est propriétaire d'immobilier en France, on est propriétaire ou titulaire de comptes bancaires à l'île Maurice, de comptes bancaires en France, parfois même dans d'autres pays. Et donc, on voit tout de suite que s'enchevêtrent le droit civil et le droit fiscal, et s'enchevêtrent aussi le droit français, le droit mauricien, et parfois même les règles fiscales d'autres pays. Donc, afin de pouvoir au mieux répondre à toutes ces questions, il nous a semblé utile de faire appel à deux spécialistes. Un spécialiste français qui est Aubin Robert. Aubin dirige la société Avacor, qui est le multi-family office à Genève du groupe Necker Gestion Privée. Aubin vient du notariat français, donc il connaît parfaitement bien ces problématiques. Et il a travaillé préalablement dans une grande banque suisse où il conseillait notamment la clientèle française expatriée. Donc il connaît aussi bien les problématiques des Français expatriés. Et j'ai également le plaisir d'accueillir Grégory Hart de Ketting. J'ai même un petit peu honte de le présenter parce que Grégory est un des notaires principaux ici à l'île Maurice. Et je remercie ces deux interlocuteurs de bien vouloir, d'avoir bien voulu animer cette réunion. Alors, très rapidement, et afin de ne pas vous infliger pendant une heure un cours magistral de droit civil et de droit fiscal, on a choisi une formule qui est en fait l'étude d'un cas général, d'un cas pratique, fictif, mais dans lequel vous verrez, tout le monde peut se reconnaître, y compris même d'ailleurs des couples franco-mauriciens. Avant tout, et avant de poursuivre, je tenais à remercier les deux partenaires qui nous accompagnent dans cette présentation, Barnes, qui est un des acteurs principaux de l'immobilier à Maurice, et je remercie Mouti de Falbert d'avoir accepté de nous accompagner, et également le private banking de Banque One. Et là, je remercie son directeur, Guillaume Passebecq, d'avoir également accepté de nous accompagner dans cette présentation. Alors, peut-être pour démarrer, je vais donner tout de suite la parole à Grégory. Pouvez-vous, Grégory, nous donner quelques éléments de contexte en ce qui concerne le contexte juridique à Maurice? Avec plaisir, Rémi. Alors d'abord, on pourrait dire que le droit civil mauricien est en fait un enfant du droit civil français, puisque en 1804, Napoléon a instauré le code civil en France, et en 1808, il était étendu à l'île Maurice par le général de Caen, puisque Maurice était alors une colonie française. En 1810, la France signait un acte de capitulation et Maurice devenait anglaise, mais non sans avoir négocié dans l'acte de capitulation que les habitants de l'île Maurice conserveraient leurs droits, leurs coutumes et d'autres choses. Ça a eu pour effet que le code civil mauricien a
a conservé tout son effet, non seulement pendant la période d'occupation anglaise, mais aujourd'hui encore, après l'indépendance de l'île Maurice. Bien sûr, le Code civil n'est pas resté le seul texte, le Code civil inspiré du droit français, puisque le droit anglo-saxon a eu son influence. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut parler d'un système de droit hybride, avec une très forte connotation d'influence française, mais aussi des touches de droit anglais. On peut dire aujourd'hui qu'en fait, le common law, qui est le droit anglais, côtoie à Maurice le civil law, alors qu'en général, c'est plutôt des droits qui s'affrontent dans d'autres pays. Une influence française aussi au sens du mode de fonctionnement de nos institutions, notamment celle du notariat, puisqu'à Maurice, il y a le notariat comme on l'entend en France, c'est-à-dire un notaire de droit civil, qui est au centre de toute l'activité amiable de droit civil et qui répond aux mêmes normes de rigueur que le notariat français, puisque nous faisons tous deux partie de l'Union internationale du notariat. Autre raison d'influence du droit français sur l'île Maurice, c'est le fait qu'étant un petit pays, nous avons peu de cas de jurisprudence, comparativement bien sûr à la France, et donc il y a dans le cadre des décisions de justice le besoin de se référer souvent au droit français qui lui donc regorge d'exemples jurisprudentiels, d'autant que la doctrine française est beaucoup plus développée que la doctrine mauricienne. Le résultat de ça, c'est qu'à la fois les praticiens amiables du droit utilisent souvent les jurisclasseurs ou documents français pour s'inspirer, et les juges également s'inspirent du droit pratiqué en France, donc les décisions de la Cour de cassation française, pour motiver leurs décisions à l'île Maurice. Donc une très forte influence française au total. Alors, merci Grégory. Je vais donc rapidement, comme je vous le disais, présenter ce cas fictif qui nous servira de fil rouge tout au long de la présentation. Donc, il s'agit d'un couple âgé respectivement pour le monsieur de 66 ans et la dame de 63 ans qui vivent à Maurice et y sont résidents depuis 3 ans, qui sont français de nationalité et qui se sont mariés en 1998 sans contrat de mariage. Ces deux personnes ont deux enfants, un fils qui vit en France et une fille qui vit à l'île Maurice. En ce qui concerne leur patrimoine, ils sont propriétaires en France d'une maison et également de murs commerciaux, de murs industriels qui sont détenus via une société civile immobilière de droit français. Ils sont propriétaires à l'île Maurice d'une maison, ça c'est pour leurs biens immobiliers, mais ils sont également titulaires de comptes bancaires, de portefeuilles titres dans 4 pays différents, en Suisse, en France, à l'île Maurice et à Monaco. Alors, Aubin, ma première question t'est adressée. Comment se passerait la succession dans le cas de notre couple de Français résidant à l'île Maurice? Et est-ce que c'est la loi française qui s'appliquerait? Alors, en premier lieu, ce qu'il faut dire, c'est que bien souvent, les clients se focalisent sur la fiscalité et négligent les aspects civils qui sont pourtant tout aussi importants. Alors, les aspects civils, c'est quoi, hein? Quels sont les droits du conjoint survivant? Y a-t-il une réserve héréditaire, etc.? En fait, on va, pour liquider une succession, on va raisonner en 3 étapes. On va se poser une première question, c'est que posséder le défunt? Et que posséder le défunt pour une personne qui est mariée? C'est le rôle de la loi applicable au régime matrimonial. Alors, quelle est cette loi? Quel est le régime matrimonial applicable? Comment le liquide-t-on? Quand on liquide le régime matrimonial, ça va nous permettre de déterminer ce que le défunt possédait et donc ce qu'il y a dans la succession. Quand on sait ce qu'il y a dans la succession, là on passe à la deuxième étape et il faut déterminer qui hérite de quoi. Alors, c'est le rôle de la loi successorale. Donc, quelle est la loi applicable? Que dit cette loi? Est-ce qu'il y a des héritiers réservataires? Quels sont les droits du conjoint? À la fin de la deuxième étape, on a déterminé les lots de chacun et on va entrer ensuite en jeu. Quand on sait ce que chacun va hériter, on va entrer en jeu la fiscalité. La fiscalité, c'est quoi? C'est où les impôts sont-ils dus? À quel taux et sur quel bien. Et donc ça, c'est le raisonnement qu'on va appliquer à notre cas. Donc on va commencer par regarder, parler du régime matrimonial. Ensuite, on va parler de la loi successorale.
Et puis, on va conclure avec la fiscalité, le bouquet final. Ok, merci beaucoup, Aubin. Donc, en fait, tu parlais de régime matrimonial. Admettons que notre couple ait fait un contrat de mariage. Hein, en présence d'un contrat de mariage, quelle va être la loi applicable ? Alors, la loi applicable, ce serait la loi du contrat, c'est-à-dire la loi, le contrat et la loi des parties, pourvu que ces parties aient dans le pays où ils ont rédigé ce contrat, où ils ont passé le contrat, ils l'aient fait conformément aux conditions de fond et de forme qui sont valides dans ce pays. Donc, la France, là, en l'occurrence, ce contrat sera valable dans l'île Maurice. Cela ne changera pas dans le temps où qu'ils viennent s'établir à Maurice ou qu'ils restent en France. Le contrat sera applicable au régime. Exactement la même chose côté français. On appliquera la loi du contrat de mariage et ça ne changera pas dans le temps. Très bien. Alors, même question, mais à l'inverse, ils n'ont pas fait de contrat. Alors, à défaut de contrat de mariage, c'est la loi du premier domicile matrimonial qui s'appliquera. Pour bien comprendre le point, si par exemple deux époux choisissent d'aller se marier à Las Vegas parce que c'est fun, ce n'est pas Las Vegas qui, ce n'est pas le régime matrimonial applicable à Las Vegas qui s'appliquera, mais bien le régime du lieu qu'ils ont choisi comme premier domicile matrimonial. C'est-à-dire, je suis français, je vais me marier à Las Vegas, je passe le week-end, je reviens. Ce sera la loi du premier domicile matrimonial qui s'appliquera. Enfin, en l'occurrence, je suis mauricien plutôt dans ce cas-là. D'accord. Et côté français ? Alors, côté français, donc là, revenons au cas. Donc, on a dit que c'était des gens qui étaient mariés sans contrat en 1998. On va y revenir après, mais la date du mariage en matière de régime matrimonial est très importante. Alors là, la partie dont on va parler maintenant, c'est probablement la partie la plus technique de notre présentation. Mais en gros, pour quelqu'un qui est marié en 1998, sans contrat de mariage, et ben on va appliquer des règles assez similaires à ce qui se passe à Maurice. C'est qu'on va regarder la loi de la première résidence habituelle des époux après le mariage. Donc là, c'est purement factuel. Dans notre cas, on part du postulat qu'ils ont vécu en France et donc c'est donc la loi française qui s'applique. Et donc, par défaut, le régime légal de communauté de biens réduite aux acquis. Alors, est-ce que ces règles sont toujours applicables ? Parce que j'ai lu qu'un contrat de mariage, un régime matrimonial pouvait éventuellement changer, évoluer sans qu'on s'en rende compte. Est-ce la réalité ? Et si oui, peut-on s'y opposer ? Alors, c'est correct, ça peut changer dans le temps. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui vont être surpris. En fait, en termes de régimes matrimoniaux, vous avez trois corpus de règles qui s'appliquent. Vous avez les règles qui s'appliquent aux gens qui se sont mariés avant le 1er septembre 1992. Vous avez les règles qui s'appliquent aux époux mariés entre septembre 1992 et janvier 2019, et puis les règles applicables aux époux mariés après janvier 2019. Dans notre cas, on a dit qu'ils s'étaient mariés en 1998, donc ce sont les règles applicables entre septembre 1992 et janvier 2019. Donc c'est vraiment la date du mariage qui compte. Effectivement, ce sont des règles assez complexes, donc il y a des exceptions. Je vais vous en faire grâce, il y a beaucoup de scénarios, on n'a pas assez de temps pour ça, mais une chose est sûre, c'est qu'il y a des scénarios, il y en a plusieurs, il y en a notamment un, où au bout de 10 ans de présence à Maurice, eh bien, votre régime matrimonial va changer automatiquement. Alors, attention, de quoi parle-t-on ? On ne parle que de gens qui n'ont pas signé de contrat de mariage. Ceux qui ont signé un contrat de mariage, c'est fixé une bonne fois pour toutes, ça ne change pas. Et on ne parle que des gens mariés entre septembre 1992 et le 29 janvier 2019. Se marier avant ou après ne sont pas concernés. Donc là, si on revient à notre cas, ben, ce sont des gens qui sont à Maurice depuis 3 ans, ils sont mariés en 1998, ils n'ont pas signé de contrat de mariage, et ben, au bout de 10 ans de présence à Maurice, leur régime matrimonial va changer, et non seulement il va changer, mais en plus il va changer sans effet rétroactif, ça veut dire qu'il ne va pas changer pour le passé. Donc ces gens, ils vont être soumis au régime légal français jusqu'à la date du changement, et après le changement, au régime légal mauricien. Donc inutile de vous dire, un vrai cauchemar à liquider pour un notaire. Alors, pas de panique. On peut faire des choses pour s'y opposer. Si ça fait bientôt presque 10 ans que vous êtes à Maurice, il suffit de faire un contrat de mariage dans lequel vous dites que vous confirmez l'application du régime légal français. Et voilà, quelque chose de simple. Mais ce qui est terrible dans cette règle, c'est que ça s'applique sans même que vous le sachiez ou vous vous en rendiez compte.
Et ça s'applique également à la succession? Alors, ce sont des règles différentes. Là, on enchaîne, du coup, on reprend, on a parlé du régime matrimonial, maintenant on va parler de la loi successorale. Le régime matrimonial nous a permis de déterminer ce que possédait le défunt. Maintenant qu'on sait ce qu'il y a dans la succession, il faut regarder quelle est la loi applicable. Alors, au niveau mauricien, donc ce n'est pas, c'est pas le même, le même système de détermination de loi que donc en régime matrimonial. Chez nous, nous avons le système du double critère qui s'applique pour déterminer la loi qui s'applique à une succession. La loi qui s'applique au meuble sera la loi du lieu du dernier domicile du défunt. Et en ce qui concerne les immeubles, ils sont régis par la loi du lieu où ils se trouvent. C'est-à-dire que s'ils sont à Maurice, ils sont régis par la loi mauricienne, en France, par la loi française, ou aux États-Unis, par la loi américaine. Alors, côté français, pendant très longtemps, on a eu des règles similaires en France. Ça a changé récemment, puisqu'un règlement communautaire est entré en vigueur en août 2015. Et ce règlement prévoit que la loi applicable à une succession, quand il y a un élément international, c'est la loi du dernier domicile du défunt. Donc là, par hypothèse, la loi mauricienne. Alors, le raisonnement ne s'arrête pas là, parce qu'on regarde quand même ce que dit le droit mauricien, est-ce qu'il accepte sa compétence. Or, Maurice dit, un bien immobilier situé, détenu en direct situé en France, on applique la loi française. Donc, il va y avoir ce qu'on appelle un renvoi de la loi mauricienne à la loi française, ce qui veut dire que toute la succession sera soumise à la loi mauricienne, à l'exception des biens immobiliers détenus en direct en France, qui seront soumis à la loi successorale française. Alors, regardons, et là, je te laisserai commenter, Rémi, ce que ça donne en image. Oui, si on résume en fait ce cas, on voit que pour les biens donc, qui sont situés en France, on parle des biens immobiliers qui sont situés en France, la loi applicable, donc si je ne dis pas de bêtises, sera la loi française. S'agissant du bien immobilier détenu à l'île Maurice, la loi applicable sera la loi mauricienne. S'agissant ensuite des biens meubles, c'est-à-dire des portefeuilles types, des comptes bancaires, qui sont situés en Suisse, rappelons-le, en Suisse, à Monaco, à Maurice, en France, ce sera la loi mauricienne. Et j'ajoute que les parts de SCI, rappelez-vous, dans ce cas particulier, ils sont propriétaires de murs industriels en France qui sont détenus par une SCI française, dont ils sont propriétaires des parts. Et bien que la SCI soit française et que les biens détenus par la SCI soient en France, c'est la loi mauricienne qui va s'appliquer. Alors, je pense que quelques Français nous écoutent. Ne vous réjouissez pas trop vite. On parle bien de règles civiles et non pas de règles fiscales. Hein. C'est pas un outil pour vous permettre de ne pas payer de droits de succession sur des biens immobiliers en France détenus par des SCI, mais c'est tout de même bon de le noter. Je n'ai pas dit de bêtises, messieurs. C'était absolument parfait. Je vais rajouter un petit mot sur les aspects suisses et monégasques. Alors, la Suisse va appliquer la loi du dernier domicile des actifs bancaires détenus en Suisse, donc ce sera la loi mauricienne. Monaco a fait un copier-coller en 2017 du règlement communautaire que j'évoquais tout à l'heure, avec des règles très proches, avec néanmoins quelques nuances, mais pour un compte bancaire détenu à Monaco, ce sera la loi de la dernière résidence, donc par hypothèse, la loi mauricienne. Alors, est-ce qu'on peut changer, est-ce qu'on peut agir pour changer ces lois applicables? Alors non, en fait, à l'île Maurice, il n'est pas possible l'autonomie de la volonté, c'est-à-dire décider soi-même de la loi que nous voulons voir appliquée à notre succession. Le double critère est d'ordre public, on ne peut pas y déroger. Donc, bien meuble, loi du dernier domicile, bien immeuble, loi du lieu où il se trouve. D'accord. Alors que côté français, suisse ou monégasque, il est en théorie possible de le faire, c'est-à-dire qu'on peut opter pour la loi de sa nationalité pour qu'elle soit applicable à sa succession. Mais dans la mesure où Maurice ne reconnaîtra pas cette option, je le déconseille, dans un contexte franco-mauricien, ça ne fonctionnera pas. Grégory, vous avez parlé en préambule des analogies entre le système du droit civil mauricien et du droit civil français. Donc, ma question est toute simple. Y a-t-il également en droit mauricien une réserve héréditaire? Tout à fait. Elle comporte des différences avec la réserve héréditaire française aujourd'hui. Donc,
c'est une réserve qui varie en fonction du nombre d'enfants. Et il y a aussi, on peut dire qu'il y a deux types de réserves. Il y a la réserve donc, aux enfants et la réserve aux ascendants. Donc, la réserve aux enfants, c'est celle dont finalement la personne décédée ne peut disposer au profit d'autrui. Donc, si on a un enfant, c'est la moitié de nos biens dont on ne peut disposer librement. Donc, il y a une moitié dont on dispose librement. En cas de présence de deux enfants, c'est deux tiers qui sont réservés aux enfants. En cas de trois enfants et plus, trois quarts sont réservés aux enfants et on peut disposer du quart restant librement. Ça, c'est dans la première hypothèse où il y a des enfants. Dans l'hypothèse d'une succession où il n'y a pas d'enfants ni de conjoint survivant, parce qu'on le verra tout à l'heure, le conjoint survivant a un statut particulier à l'île Maurice. Donc, en présence, pas d'enfants, pas de conjoint survivant. Les ascendants, enfin, quand on dit pas d'enfants, c'est pas de postérité, c'est plus précis. Et les ascendants, c'est-à-dire les pères et mères, ont une réserve dans la succession à hauteur d'un quart par ligne. Alors, quand on dit un quart par ligne, ça signifie que dans l'hypothèse où il y a les deux parents, ils ont droit à un quart chacun, mais, et les frères et sœurs donc se partagent le reste, ou éventuellement des légataires, mais dans l'hypothèse où un des pères et mères n'est plus là, l'autre n'a pas droit à sa part de réserve. C'est-à-dire que ce quart de réserve disparaît au profit des autres héritiers ou légataires. Alors, côté français, il y a bien entendu une réserve, et les quotités qui dépendent du nombre d'enfants sont exactement les mêmes que côté mauricien. En revanche, il n'y a plus, si ma mémoire est bonne, depuis 2006, les ascendants, donc parents et grands-parents, ne sont plus réservataires en droit français. D'accord. La question qui me vient, c'est finalement, y a-t-il de vraies différences entre les lois mauriciennes et françaises ? Alors oui. En fait, il y a une différence qui vient principalement du choix différent que les législateurs ont fait dans les deux pays, dans l'idée qui est la même de protéger le conjoint survivant, mais les solutions qui ont été choisies en fait donnent des situations vraiment complètement différentes. Donc on va voir qu'à Maurice, depuis 1980, en fait le conjoint survivant, il hérite au même rang qu'un enfant, c'est-à-dire qu'il a une part d'enfant. La différence par contre entre eux est que le conjoint survivant, pour sa part, n'est pas réservataire, c'est-à-dire qu'il peut être écarté par testament, à l'exception de l'usufruit du logement principal et des meubles meublants qu'on ne peut lui enlever. Alors, ces droits peuvent-ils être augmentés? Oui, ils peuvent l'être, mais dans une situation particulière, si on se base sur l'idée que, en cas de présence de trois enfants ou plus, donc à partir de quatre enfants, le conjoint survivant héritant comme un autre enfant hériterait d'un cinquième de la succession. Dans ces hypothèses-là, à partir de quatre enfants et plus, ben, en lui léguant la quotité disponible, on augmente sa part. Et l'autre protection qu'il a au niveau du droit mauricien, c'est donc que dans l'hypothèse où sa part dans la succession, si cette part lui permet d'hériter du logement familial en entier, en toute propriété, le bien lui sera attribué préférentiellement. Et si sa part ne suffit pas pour lui conférer cette attribution, il se voit néanmoins conférer l'usufruit de ce logement, sa vie durant et jusqu'au jour de son décès. Alors, côté français, c'est vraiment important de le souligner, mais on est effectivement dans une philosophie qui est totalement différente. Est-ce que le conjoint aura le choix entre un quart en pleine propriété et l'usufruit du tout, pour l'usufruit sous réserve qu'il n'y ait que des enfants communs? S'il y a des enfants d'une précédente union, le conjoint, par défaut, ne reçoit qu'un quart en pleine propriété. Est-ce qu'on peut augmenter les droits du conjoint? Oui, et c'est particulièrement vrai, il faut le faire quand vous avez des enfants d'une précédente union, sinon, à défaut, il ne reçoit qu'un quart en pleine propriété. Donc, qu'est-ce que vous pouvez lui laisser? Vous pouvez lui laisser l'usufruit, vous pouvez lui laisser les trois quarts en usufruit, un quart en pleine propriété, ou le cas échéant, la quotité disponible, donc la part dont on peut disposer librement en faveur d'un tiers, sont les quotités qui dépendent du nombre d'enfants, hein, donc c'est ce qu'on a expliqué précédemment. Donc là, on comprend bien qu'il y a dans la grande majorité des successions, le conjoint, il opte pour l'usufruit. Pourquoi? Parce que ça lui permet de maintenir son cadre de vie, il peut occuper des biens, il peut percevoir des revenus, donc il maintient son train de vie. Et là, ce n'est pas possible en droit mauricien, puisqu'on reçoit nécessairement une quote-part en pleine propriété. Et donc, il faut totalement
Alors déjà, il faut s'adapter à cette philosophie. On n'a pas d'autre choix. C'est comme ça. Ça veut dire qu'il faut aussi adapter ses stratégies et avoir des stratégies qui fonctionnent dans un environnement mauricien. Alors, à quoi s'applique cette règle? Donc, les règles que vient d'évoquer Grégory s'appliquent à l'ensemble de la succession, à l'exception du bien immobilier détenu en direct. Hein, je reviens à notre cas. Auquel cas, le conjoint, sur ce bien, il aura les règles que je viens de vous expliquer. On voit nettement au travers de ce tableau et de vos réponses que, effectivement, on a la possibilité d'augmenter les droits du conjoint. En fait, ma question est simple. Quels sont comment puis-je protéger, favoriser mon conjoint La première option, c'est d'augmenter par testament les droits du conjoint sur le bien immobilier situé en France. C'est ce que je viens de vous expliquer. Et c'est particulièrement vrai quand il y a des enfants d'une précédente union, pour être sûr que s'il s'agit notamment d'une résidence secondaire, que le conjoint ait l'usufruit et que du coup, il garde le contrôle de ce bien. Alors, allez, Maurice, on verra que pour augmenter les droits du conjoint en pleine propriété, ce ne sera possible que dans l'hypothèse où il y a 4 enfants et plus. C'est le seul cas où finalement il n'y a pas déjà une part qui correspond à un parent d'enfant. Donc, c'est la seule situation où on pourrait lui donner plus que sa part par disposition testamentaire. Alors, on pourrait désigner le conjoint comme bénéficiaire en usufruit ou en pleine propriété de contrat d'assurance vie. Alors, ce qu'il faut savoir en droit mauricien, c'est qu'on a des règles très similaires, même des règles identiques à celles qui s'appliquent en France, c'est-à-dire que l'assurance vie est hors succession. Donc, ça veut dire ce que reçoit le conjoint en application de l'assurance vie n'entre pas dans le calcul des parts. Il y a quand même des limites. Il y a un garde-fou, qui est la notion de ce qu'on appelle la prime manifestement exagérée, qui existe aussi en droit français. C'est-à-dire qu'on peut le privilégier, mais dans une certaine limite. Chez nous, on utilise souvent aussi comme mécanisme les sociétés civiles, où, en fait, à travers un démembrement donc de la propriété des parts sociales entre nue propriété et usufruit, associé à une gérance qui est confiée aux survivants des époux, on peut donner beaucoup plus de pouvoir de gestion des biens et de perception de revenus pour le conjoint survivant. Sur cette slide précédente, on parle effectivement de testament pour la première fois. Je reprends toujours le cas de cette famille résidant à Maurice depuis 3 ans. Ils ont un enfant en France, ils ont un enfant à l'île Maurice. S'ils veulent faire un testament, ce testament, ils doivent le faire où? Ils doivent le faire en France, ils doivent le faire à Maurice, dans les deux pays? Alors, il n'y a pas de règle spécifique à recommander particulièrement. C'est vraiment en fonction du cas de chacun. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut systématiquement faire attention donc à certains points, notamment de ne pas, si on fait un testament unique, de s'assurer de ne pas oublier certains biens qui pourraient être situés dans d'autres pays dont le conseil dans ce pays n'est pas au courant. Et en cas de testament pluraux, donc une pluralité de testaments, de faire attention à ce qu'il n'y ait pas de contradiction entre les différents testaments. Par exemple, déjà, un testament peut parfois, s'il n'est pas parfaitement rédigé, créer des difficultés d'interprétation. Imaginons-nous maintenant 2 testaments qui, par inattention, comportent des clauses qui sont incompatibles. Ça peut créer un vrai problème, ce qui ne peut jamais être la volonté donc, de la personne qui l'a fait. Donc, très important d'avoir, dans le cas de pluralité de testaments, d'avoir une vraie entente entre les conseils et une vraie communication pour s'assurer que toutes les dispositions à cause de mort qui sont prises par le client sont vraiment prises en considération. D'autant plus important que, par exemple, à l'île Maurice, il n'y a pas de fichier central de testament, et ce qui veut dire que quand on doit dresser la notoriété après décès d'un défunt, donc d'établir qui sont ses héritiers, on n'a pas un instrument qui nous permet de vérifier s'il a fait un testament chez un autre notaire. Donc, on peut assez facilement se retrouver dans une situation où on a un notaire qui est informé de la présence d'un testament, mais pas du décès de la personne,
et un autre notaire qui est informé du décès puisqu'on lui a demandé de régler la succession, mais qui n'est pas au courant de l'existence du testament. D'où l'importance, par ses propres moyens, de s'assurer que la communication de ces pièces soit assurée après son décès. Et la meilleure formule, en général, c'est d'avoir un conseil centralisateur qui s'assure de faire le lien avec les autres conseils dans différents pays, avec leurs adresses, téléphones, contacts, etc., et qui permet aussi de discuter entre ces professionnels pour choisir les bonnes solutions pour le client. Aubin, un mot sur les donations entre époux, peut-être ? Alors, ce serait peut-être plutôt à Grégory de commenter sur cet aspect-là. Oui, alors là, attention aux donations entre époux, comme vous l'entendez donc en droit français. Oui. Cette donation n'est pas reconnue à l'île Maurice, puisqu'elle serait contraire à l'ordre public. Et donc, si vous avez des donations de ce type, il faut les remplacer par un testament si vous pensez que c'est nécessaire. Oui, j'ai fait une confusion parce qu'effectivement, la donation entre époux, c'est quelque chose de très fréquent en France. C'est arrivé de rencontrer beaucoup de clients qui avaient, avec ou sans contrat de mariage, cette donation dite donation au dernier vivant. Effectivement, c'est bien de noter qu'elles ne sont pas reconnues à Maurice. Donc, à la lecture de tout ça, est-ce qu'il faut revoir toutes les stratégies ? Comment faut-il procéder là ? Alors, revoir toutes les stratégies, non. En avoir une de précise, oui, qui doit toujours être dans la logique d'une organisation qui prend en considération le déplacement géographique. C'est-à-dire que quand vous vous déplacez pour venir habiter à Maurice, vous réfléchissez comment emballer vos biens mobiliers, etc., pour être sûr de ne rien oublier. Ben, dans votre organisation patrimoniale, c'est la même chose. Les deux droits peuvent sembler plus ou moins les mêmes, mais il y a des différences qui, même si elles ne sont pas très importantes en nombre, peuvent avoir des conséquences très fortes sur les décisions que vous avez prises. Donc, très important, au moment de changer de pays et de venir à l'île Maurice, de vous assurer avec votre conseil français et mauricien, de vous assurer que les dispositions prises seront toujours en vigueur à l'île Maurice ou s'il faut en prendre d'autres pour les remplacer. Oui, c'est un peu ce qu'on a pu constater hein, dans les discussions qu'on a eues pour préparer cette présentation avec Grégory, c'est qu'effectivement, les deux droits sont issus du Code Napoléon, mais n'ont pas évolué de la même manière. Et donc, les outils qui sont à notre disposition, les outils qu'on utilise naturellement en France, ne sont pas nécessairement les outils qu'on utilise naturellement à Maurice. Donc, effectivement, il faut remettre à plat sa situation après le déménagement. Parfait. J'ai fait tout à l'heure une confusion en posant une question à Aubin qui revenait à Grégory. Là, pour le coup, on va parler d'impôts, donc je ne peux pas me tromper. La question va directement aller aux Français. Alors, sur le plan fiscal, Aubin, y a-t-il des idées reçues et puis aussi, peut-il y avoir de mauvaises surprises, si tant est qu'il puisse y en avoir de bonnes? Alors, en effet, je pense que à nous écouter, certains de nos auditeurs vont avoir de mauvaises surprises et certains vont peut-être même tomber de leur chaise. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une convention fiscale en matière d'impôt sur le revenu et en matière d'impôt sur la fortune entre la France et Maurice. En revanche, il n'y en a pas entre la France et Maurice couvrant les droits de donation et les droits de succession. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chaque pays est libre d'appliquer ses règles sans aucune limitation. Et donc, c'est notamment le cas de la France qui va appliquer ses règles de taxation qu'on va évoquer ensemble après. Oui, alors là, je vois encore en matière d'impôts que le champagne n'est pas français mais mauricien, contrairement aux idées reçues. Tu peux Grégory et Aubin, pouvez-vous nous commenter ce tableau qui parle de lui-même d'ailleurs, devrais-je dire ? Oui, c'est en anglais, c'est ce qu'on appellerait un walkover, puisque à l'île Maurice, nous avons la chance de ne pas avoir de taxes sur les successions. Il y a quelques années, nous avions même la chance, quand nous héritions d'un bien, alors qu'on paye une taxe à la revente de chaque bien, quand un bien était hérité, il n'y avait pas de taxe sur la revente. Ça a été rétabli, c'était injuste, il me semble. Aujourd'hui, on paye 5% de taxe sur tout bien qu'on vend. Mais au niveau des successions,
on n'a aucune taxe sur les successions à l'île Maurice. Juste une aparté, Grégory, ces 5% s'appliquent sur la valeur du bien quand on le vend. Ça ne s'applique pas sur une plus-value qu'on aurait pu réaliser. Sur la valeur du bien, tout à fait. Alors, côté français, la situation est malheureusement moins heureuse. Alors, je peux commencer par une petite précision. Il y a souvent des confusions, c'est qu'il n'y a plus de droit de succession entre époux en France depuis 2007. En revanche, il y a des droits de donation. Donc, ça veut dire que vous léguez un bien à votre conjoint, il sera exonéré. Vous lui donnez de votre vivant, il sera taxé. En ligne directe, vous avez un abattement de 100 000 euros par enfant. Donc, c'est un montant qui n'est pas taxé. Puis après, ça monte jusqu'à 45 %. C'est un barème progressif avec des tranches à 5, 10, 15. Ce barème s'applique par part reçue par chaque héritier. Alors, on a vu dans le slide précédent, on a commencé à voir que la convention fiscale franco-mauricienne s'appliquait à l'impôt sur le revenu, mais pas à l'impôt sur les successions. Alors, en fait, ma question, c'est est-ce qu'il y a des risques de requalification de cette notion de résidence fiscale en matière de succession et de donation ? En d'autres termes, est-il possible d'être parfaitement résident fiscal à l'île Maurice et reconnu comme tel par l'administration française, mais pas en matière de succession ? Alors, c'est en effet le cas. Tu peux être résident de Maurice et non résident de France pour l'impôt sur le revenu, mais être domicilié fiscalement en France au sens des droits de donation et de succession. Donc, en fait, la convention, comme on le disait, elle ne couvre pas les donations et les successions. Dans cette convention, il y a un article sur la résidence avec des critères qui permettent de déterminer où quelqu'un est résident. Il est beaucoup plus facile d'être résident à Maurice et non résident de France en application de la convention qu'en application des règles applicables en droit français. Alors, les règles applicables en droit français, elles sont quoi ? En fait, on a des critères qui sont des critères alternatifs. Ça veut dire qu'il suffit de répondre à un seul de ces critères pour être domicilié fiscalement en France. Alors, vous avez trois critères. Vous avez un premier critère qui est un critère 2 en 1. Donc, vous avez le foyer, c'est où vit le conjoint et les enfants mineurs. Et vous avez le critère du lieu de séjour principal. Et là, je pense que c'est important de faire une aparté parce que j'entends souvent dire les clients « Non, mais je suis tranquille, je ne passe pas plus de 6 mois en France. » On ne parle pas de 6 mois, on ne parle pas de 183 jours. On parle du lieu de séjour principal. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, admettons que vous passez 5 mois en France, 4 mois à Maurice et puis le reste du temps dans un troisième pays où on voyage, ben vous avez passé moins de 6 mois en France. Néanmoins, c'est le pays où vous avez le lieu de votre séjour principal. Donc, ça veut dire que vous êtes domicilié fiscalement en France, bien que vous n'y passez pas 6 mois. Donc, ça, c'est une erreur commune que j'entends très, très souvent. C'est important de tordre un peu le cou à cette notion parce qu'elle est, bien souvent reprise. Le deuxième critère, je ne vais pas m'étendre longuement dessus, c'est le lieu de si vous avez votre exercice professionnel principal en France, vous êtes domicilié fiscalement en France. Donc, attention notamment à ceux qui ont des mandats sociaux en France. Le troisième critère sur lequel je vais le plus m'attarder et qui va probablement donner des sueurs froides au plus grand nombre d'entre vous, c'est le centre des intérêts économiques. Alors, le centre des intérêts économiques, en fait, on va regarder… Alors, vous avez un critère principal, c'est la source des revenus. D'où tirez-vous la majorité de vos revenus ? Puis un critère subsidiaire, c'est où sont situés vos avoirs, vos actifs. Donc, si on prend un exemple simple, vous êtes retraité, vous êtes installé à Maurice et puis vous avez un important patrimoine immobilier français et la très grande majorité de vos revenus est tirée de revenus fonciers de source française. Eh bien, vous avez le centre de vos intérêts économiques en France parce que vous avez la majorité de vos revenus qui sont de source française et ceci même si vous ne mettez jamais un pied sur le sol français pendant l'année. Deuxième exemple, similaire, vous ne mettez jamais le pied sur le sol français, vous êtes tout le temps à Maurice et vous avez une grosse retraite chapeau de source française, c'est votre source de revenus principale, vous êtes domicilié fiscalement en France. Alors, ça veut dire que pour certains, il y aura des arbitrages et des actions à entreprendre, c'est-à-dire que déplacer, alors si ce sont des avoirs bancaires, c'est facile. Rien de plus facile.
S'ils sont des actifs immobiliers, c'est plus compliqué, mais bon, bah, il faudra peut-être penser à liquider du patrimoine immobilier pour le rendre liquide et le sortir de France. Mais en tout cas, ce critère est très, très important. Le centre des intérêts économiques va piéger beaucoup de gens, bien qu'ils soient, comme on le disait encore tout à l'heure, résidents de Maurice pour l'impôt sur le revenu. Alors, si jamais mon domicile fiscal est contesté, on ne peut pas exclure, quel est l'impact ? Alors, ça change tout. Parce que si tu es domicilié fiscalement en France pour les droits de donation et de succession, ta succession mondiale sera taxable en France. Quel que soit le lieu de situation et la nature des biens, quel que soit le domicile fiscal de tes héritiers. Donc, on change complètement de paradigme. Alors, et à l'inverse, donc, si mon domicile fiscal n'est pas contesté, mes héritiers sont tranquilles. Alors, ils ne le sont pas nécessairement, parce que la France va aussi regarder le domicile fiscal de l'héritier. Alors, le domicile fiscal qui sera qualifié selon les mêmes règles que celles qu'on a évoquées il y a quelques minutes. Si vous avez une personne qui est domiciliée à Maurice et qui l'est effectivement, mais dont plusieurs des enfants est domicilié fiscalement en France, eh bien, celui-ci paiera des droits de donation ou de succession en France sur la part qu'il reçoit, quel que soit le lieu de situation des biens et leur nature. Alors, ce qui est important de noter, là on peut revenir au cas concret, hein, on rappelle qu'il y en a un qui est en France, il y en a un qui est à Maurice. Absolument. La situation de celui qui est en France n'affecte pas la situation de l'autre. Donc, ce n'est pas parce qu'il y en a un des deux qui est en France que l'intégralité de la succession sera taxable en France, uniquement la moitié. D'accord. Donc, si tout le monde est en dehors de France, c'est mieux finalement. C'est mieux, mais ça ne veut pas nécessairement dire pas de taxation en France. La France pourra quand même taxer les biens situés en France. Alors, les biens situés en France, c'est évidemment de l'immobilier détenu en direct, sont des parts de SCI. Donc là, tu le disais justement plus tôt dans la présentation, il y a des règles civiles, il y a des règles fiscales. Les parts de SCI, fiscalement, seront taxables en France. Les actions ou parts de sociétés commerciales seront taxables en France. Mais je pense que c'est bien qu'on s'attarde aussi sur un point qui est souvent méconnu. Mais sont des actifs français les titres cotés de sociétés françaises ? Vous êtes accro d'une société cotée au CAC 40, vous en avez pour 1 million d'euros déposé à Monaco, en Suisse ou à Maurice, peu importe le lieu de dépôt, ce sont des titres d'une société française, c'est un actif français, c'est taxable au droit de succession en France, même si c'est détenu par un non-résident, légué à un non-résident. Alors bon, la question évidemment que tout le monde se pose, c'est à la suite de ça, c'est quelles sont les solutions pour réduire la facture en France ? Alors là, je réalise en prenant la parole, j'en suis désolé Grégory, mais c'est effectivement, moi je monopolise la parole parce que il y a de la fiscalité en France. On parle d'impôts, c'est normal. Et ça me passionne aussi, intéressant. Donc la première chose, bon, je vais passer très rapidement, je ne vais pas développer, mais on va utiliser des solutions franco-françaises qui sont souvent bien connues, c'est qu'on va faire des donations en pleine propriété ou en nue propriété. Je ne vais pas m'attarder sur ce mécanisme, mais elles sont vraies. Ce mécanisme, effectivement, fonctionne dans un contexte franco-mauricien. La deuxième option, c'est le changement de résidence fiscale des enfants. Donc, on est dans un scénario où les parents sont effectivement domiciliés à Maurice et puis il y en a qui sont en France. Alors après, je dis souvent, un changement de résidence fiscale, ça ne se décrète pas, ça se vit. C'est pas facile de changer sa résidence fiscale, c'est un choix de vie. Effectivement, un vrai choix de vie, il ne suffit pas de dire je deviens résident portugais, il faut le devenir. Donc c'est souvent plus facile à dire qu'à faire. Donc après, il faut que les enfants se dirigent vers une juridiction qui ne taxe pas sur la base de la résidence de l'héritier comme la France. Donc fonctionneraient très bien des juridictions comme l'Italie, la Suisse, la Belgique, Maurice ou le Portugal par exemple. Mais bien entendu, il y en a bien d'autres. Il y en a d'autres, mais les trois principales qu'on met en avant, les contrats d'assurance vie luxembourgeois. Alors je ne vais pas m'étendre ici, mais attention aux impacts civils. Ici, on va parler que de fiscalité. Bon, tu peux quand même nous en dire un petit peu plus sur l'assurance vie, placement préféré des Français ? Alors,
L'idée derrière ça n'est pas d'échapper à une taxation en France, mais d'en réduire la facture. En fait, si le bénéficiaire, donc la personne à qui sera versé les capitaux au décès du souscripteur, est en France, il a été pendant plus de 6 ans au cours des 10 dernières années. Alors, je ne l'ai pas mentionné pour les donations et successions, mais cette règle est vraie aussi, hein, il y a cette limite. Eh bien, s'il est en France, il va y avoir une fiscalité payable en France. Alors, vous allez me dire, à quoi bon ? À quoi bon ? C'est que ça permet quand même de bénéficier du régime fiscal lié à l'assurance vie et donc de réduire la facture. Alors, on va parler des règles applicables. En fait, il y a une date anniversaire qui est très importante, c'est le 70e anniversaire. Cette fameuse limite des 70 ans. Ouais. Donc, pour des primes qui auraient été versées avant 70 ans, donc vous avez un abattement complémentaire, donc c'est un montant qui n'est pas taxé, de 152 500 par bénéficiaire, qui s'ajoute donc à l'abattement applicable dans la succession. Donc, si on est en ligne directe, c'est 100 000 euros par enfant. Ben là, on peut rajouter 152 000 euros par enfant. Et puis, au-delà, vous avez des taux de taxation en fonction des montants de 20% ou 31,25%. Ça veut dire que, grosso modo, par rapport au taux maximum de taxation en ligne directe de 45%, on gagne entre 15 et 25%. Ce n'est pas négligeable. Après 70 ans, c'est vraiment trop tard ou ça a encore du sens ? Alors, je vais venir après. Je voudrais juste quand même préciser que ce régime fiscal est déconnecté du lien de parenté. Donc, prenons le cas, à la différence des barèmes applicables aux droits de donation et de succession. C'est-à-dire que typiquement, si vous avez, par exemple, vous êtes à Maurice, vous avez un filleul qui est en France avec lequel vous n'avez pas de lien de parenté, si vous lui léguez une somme, il va payer 60%, qui est le montant applicable entre tiers. Alors que si vous le désignez comme bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie pour des primes que vous avez versées avant 70 ans, ben, il bénéficiera de ce régime, peu importe qu'il n'y ait pas de lien de parenté. Après, pour répondre à ta question, alors effectivement, on entend souvent dire « Ah, c'est dommage, j'ai laissé passer mon 70e anniversaire, je n'ai pas fait attention, c'est trop tard, l'assurance vie, ça ne sert plus à rien. » Alors, contrairement à une idée reçue, si, ça peut encore servir. Pourquoi ? Parce que ce sont certes des droits de succession qui vont s'appliquer à ces sommes, et en fonction du lien de parenté, mais les droits de succession ne seront pas assis sur les capitaux versés aux bénéficiaires, mais sur les primes qui ont été versées. Alors là, ça va vous paraître un peu théorique, mais si on prend un exemple, vous avez un monsieur qui a versé à 72 ans, donc après son 70e anniversaire, 500 000 euros, qui décède à 95 ans, et sur le contrat, il y a 900 000 euros qui sont versés aux bénéficiaires. Et bien, il va certes y avoir des droits de succession. Donc, les droits de succession, c'est potentiellement moins intéressant que la fiscalité applicable avant 70 ans. Mais dans la mesure où ça va être payé, ça va être taxé que sur les primes, si on prend notre exemple, on va avoir des droits de succession sur 500 000 et pas 900 000. Donc, l'accroissement de valeur de 400 000 est de facto exonéré. Donc, quand on voit l'espérance de vie de quelqu'un qui a 72 ans, aujourd'hui, c'est à peu près 20 ans. Donc, la probabilité pour que les avoirs augmentent est très élevée. On a parlé de contrats, tout le monde connaît les contrats d'assurance vie en France, bien souvent les contrats de droit français, il existe aussi des contrats luxembourgeois qui sont de plus en plus utilisés. En fait, que faut-il privilégier pour un Français résident à Maurice, un contrat français, un contrat luxembourgeois ? Alors, il y a un certain nombre de scénarios. Alors, je me mets limite à la fiscalité. Hein. Il y a d'autres raisons qui peuvent pencher en faveur d'un contrat luxembourgeois. Mais typiquement, le premier point, c'est faites attention. Vous pourriez vous dire, après ce webinaire, oh là là, on va bientôt avoir 70 ans, nos enfants sont en France, on a bien compris, il faut souscrire un contrat d'assurance. Le problème, c'est que si vous souscrivez un contrat de droit français, il y a potentiellement un risque que si vous prenez des avoirs qui sont détenus en dehors de France, vous en ramenez en France, que vous fassiez basculer le centre de vos intérêts économiques en France alors que vous ne l'aviez pas. Donc, attention à ça. La deuxième point, c'est si on est dans un scénario bien particulier où tout le monde est non-résident, donc vous et vos enfants, et puis vous avez versé des primes après 70 ans sur un contrat français. Les primes versées après 70 ans sur un contrat français, pour les droits de succession, c'est un actif français.
Donc, ça veut dire que de facto, il y aura des droits de succession dessus, alors que si ces avoirs étaient détenus en dehors de France, en direct ou via un contrat luxembourgeois, il n'y aurait pas de fiscalité française dans ce scénario spécifique. Donc, clairement, si on considère que, vu de la France, les avantages fiscaux octroyés au contrat français ou luxembourgeois sont exactement les mêmes, on n'a aucune raison de ne pas privilégier un contrat luxembourgeois. Il y a des scénarios où il faut le faire. Grégory, pour conclure, quels sont les points d'attention qu'il faut ressortir de cette présentation ? Rémi, ce que je dirais, c'est que dans un premier temps, il faut vraiment ne pas oublier que la loi mauricienne va s'appliquer à tous les biens, à l'exception des biens immobiliers situés à l'étranger. Dans l'esprit des gens, que le bien situé dans un pays est régi par la loi de ce pays, ça paraît souvent assez facile à comprendre. Mais que les biens mobiliers soient aussi régis par la loi mauricienne, c'est quelque chose qui est moins évident. Donc, il faut faire attention à cela. La loi mauricienne s'applique à tous vos biens mobiliers dans le monde entier. Maintenant, il faut aussi, au niveau du droit civil, faire attention au fait que le droit français et le droit mauricien sont de faux amis. Ils sont en apparence très ressemblants, mais il y a des différences qui peuvent être des écueils qui sont difficiles à surmonter sans un conseil avisé. Donc, il faut absolument établir quels sont les points sur lesquels vous avez besoin d'avoir des réponses. Et il faut, à mon sens, un conseil hybride pour le coup, mais non plus common law et civil law, mais franco-mauricien pour pouvoir vous assurer le meilleur conseil possible. Autre point aussi, la fiscalité, c'est un pourcentage de vos biens. Le droit civil, lui, en l'occurrence, en ce qui concerne les régimes matrimoniaux et les successions, il concerne la totalité de vos biens. Donc, si vous avez un doute sur ce qui est plus important entre le droit civil et le droit fiscal, bien sûr, je prêche pour ma paroisse, mais le droit civil est parfois négligé. On recherche la fiscalité, les avantages fiscaux, mais il ne faut jamais que ce soit au détriment du droit civil. Et en fait, de bonnes décisions d'organisation civile permettent en fait de facto d'économiser aussi des droits de succession futurs. Aussi, et attention à pour économiser de la taxe, à ne pas se mettre dans une situation civile qu'on n'aurait pas voulu. Ouais. Donc attention au domicile fiscal, notamment pour les droits de donation et de succession qui peuvent avoir un impact important en régime matrimonial ou en succession. Aubin, un mot là-dessus ? De côté français, vous l'aurez compris, il faut anticiper pour diminuer la fiscalité de la transmission. Attention aux structures et notamment au trust. Contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, ça ne va apporter aucun avantage fiscal. Donc, dans le meilleur des cas, ça va être neutre fiscalement. Dans le pire des cas, si ça a été mal structuré, ça va aggraver la taxation qu'auraient subi vos héritiers en France. De mon côté, je dirais qu'il n'y a pas de solution universelle. Plusieurs cas peuvent paraître les mêmes ou être très ressemblants. On peut avoir une discussion en salon et avoir l'impression que le conseil qui est relaté par un ami devrait s'appliquer à soi. Ce n'est pas le cas. Le diable est dans le détail et il faut vraiment faire attention de prendre le conseil qu'il faut. Il n'y a pas de règles qui s'appliquent systématiquement, pas de solution universelle. Donc après, pour conclure, moi je dis souvent que le conseil patrimonial traverse très mal les frontières. C'est-à-dire que pour préparer une succession franco-mauricienne, il ne faut pas que vous alliez voir votre notaire français, il ne faut pas que vous alliez voir votre notaire mauricien. Vous allez avoir besoin des deux et vous allez avoir besoin qu'ils se parlent. En fait, une situation internationale, c'est un mécano. Chaque pays est une pièce de ce mécano. Il faut que les pièces s'imbriquent et il faut que la construction qui en résulte tienne debout. Donc là, on a surtout parlé de problématiques franco-mauriciennes, donc c'est deux pièces du mécano, mais il faut ajouter une pièce pour chaque pays. Donc si en plus vous avez un appartement à Londres, c'est une pièce complémentaire. Donc ça sous-entend d'avoir un conseil local sur comment ça se passe d'un point de vue civil et d'un point de vue fiscal. Donc, c'est très, très important d'avoir une vision globale
et de bien regarder tous les aspects et que tous ces conseils se parlent. Merci à tous les deux. Cette présentation touche à sa fin. J'ai vu passer un certain nombre de questions. Certains d'entre vous nous ont envoyé des questions par chat. Je pense qu'on peut les collecter et on y répondra. Si toutefois on n'arrivait pas à les collecter, que nos spécialistes n'aient pas pu les collecter, je vous engage à les repasser par mail à nos spécialistes. Vous verrez les mails voilà, qui s'affichent sur votre écran. Vous pouvez les contacter très facilement pour reposer vos questions si nécessaire. J'espère que ça vous a un petit peu éclairé, donné quelques informations que vous n'aviez pas forcément. Je vous rappelle pour terminer que nous sommes à votre disposition, aussi bien Aubin que Grégory. Et voilà, il me reste à vous souhaiter une excellente soirée et comme on n'est pas très très loin de la fin de la semaine, une bonne fin de semaine et un bon week-end. Merci de votre attention en tous les cas.